Allez, on essaye de repartir rapidement. Liège qui petit à petit essaye de trouver la profondeur. Hein. Pourquoi pas ici avec Bertaccini. Bertaccini, toujours la frappe de Bertaccini. Ah, il s'en veut. Par ce joueur, troisième meilleur buteur de National 1 la saison dernière. Et il a eu sa première occasion. Il a faim après avoir débloqué son compteur justement face au Standard de Liège. Ça, c'est pas mal du tout. Le jeu en triangle avec Dostio qui se retourne. Et la frappe de Dostio, ça va être dedans. Le premier but, il est pour le RFC Liège. Le premier but qui tombe avec un assist du capitaine. Et il me semble que c'est Damien Mouchon hein, qui a été inscrire ce but. Le capitaine qui va montrer le chemin. Mais ça, c'est superbe. Hein. Ça vient d'une touche et puis il arrive à se retourner. À aller faire cette passe. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dévié. Hein. C'est dévié par le défenseur. Et puis, par contre, là, il y a de la présence. C'est ça aussi que voulait mettre en place Gaëtan Englebert. Ah, bien joué, Mouchon. Vers l'avant, ça aussi c'est bon avec Cascio. Cascio qui a de l'espace pour centrer ou pour une passe en retrait, ce sera un centre vers Bertaccini et l'arrêt. L'arrêt de Liam Bossin. Et on voit là l'appel en profondeur qui était absent la semaine dernière suite à une petite blessure. Attention, et cette fois, non, toujours pas. Pour Bertaccini, c'est la troisième opportunité pour lui. Ouais, la tentative de sortie de défense est là. Par contre, Bertaccini, il est seul. Il doit finir cette occasion. Toujours pas, c'est la quatrième. Pas dit son dernier mot, il a la tête dans le t-shirt. Hein, là, il peut s'en vouloir. Énorme erreur défensive. Il est absolument seul. Ah, il doit peut-être... professionnel avec... avec toutes les circonstances, hein, les caméras, les journalistes. Et ça, par contre, c'est très bien joué. Voilà, voilà, il est là. Le but d'Adriano Bertaccini. On était justement en train de dire que Liège pouvait dérouler sereinement. Et c'est ce qu'ils font sur ce flanc gauche encore une fois. La cinquième est la bonne pour Bertaccini qui vient inscrire son deuxième but de la saison. Et quel débordement encore une fois. Brugman et Dostio, dont on vous parlait, qu'il a, va sentir. Hein. Et quelle belle passe. Bertaccini est au bon endroit, au bon moment pour reprendre cela. Cette fois, c'est du pied droit. Et c'est 2-0. Brugman, il est passé, Brugman. Et il va aller chercher Bertaccini. Pas de position d'hors-jeu. Est-ce qu'il va faire la passe ou le tir? Ce sera une passe. Oh non, qu'est-ce qu'il manque? Benoît Brugman. Énorme raté. De Ostende avec Mebud. Fuentes qui s'élance. Fuentes, la frappe, elle est pas mal partie du tout. Mais il y a un bel arrêt de Kevin Debatty. De lancer là-dessus et s'imposer. Oh, elle était puissante, hein, cette frappe, elle était cadrée, il me semble. Allez, c'est parti. Et la tête, ça effleure la latte. Ce sera un nouveau coup de coin. Et ce ballon vers Lumba. Et puis, Lyoka, attention, il est là, Lyoka. Il se crée une occasion. Hein. En quelques secondes, on se demandait. Gaëtan Englebert, ils ont réussi à aller chercher leur premier point, leur première victoire face à une ancienne équipe de Jupiler Pro League.